L'heure du mystère. Germaine Beaumont a choisi pour vous ce soir une histoire de Jean-Pierre Ferrière, réalisée par Georges Godbert, exécution à retardement. Un salon dans une petite ville de province. Avec cette demoiselle de compagnie qui ne me tient pas compagnie. Mademoiselle Alice! Ah ben je vais me casser la voix, moi, à crier comme ça. Elle me paiera ça. Alice! Me voilà, Madame Lambert. Ah, mais vous m'abandonnez, où étiez-vous? À la cuisine, en train de préparer le thé. Bien lentement, il me semble. Vous fumiez une cigarette. Vous savez très bien que je ne fume pas. Je sais aussi que vous êtes une cachotière. Quelle heure est-il? 5h20. Oui, il fait presque nuit. Où est Solange? À l'église. Encore? C'est pas là qu'elle trouvera un mari. Je vous choque? Absolument pas. De toute façon, là ou ailleurs, à 35 ans, je me demande bien où elle pourrait en dénicher un. Vous êtes méchante. Bon, qui prétend le contraire? Si je suis méchante, c'est que je suis déçue. J'aimerais tant avoir des petits-enfants. Sincèrement, comment trouvez-vous ma fille? Mademoiselle Solange possède un certain charme. C'est ça. Un corps du style cierge grand format et une tête en forme d'assiette. Oui. Une assiette en équilibre sur un cierge. Oh, elle a de beaux yeux. Oui, ça c'est toujours ce qu'on dit des femmes laides. Moi, je suis injuste. Solange n'est pas plus vilaine qu'une autre. Seulement elle est terne, effacée. Elle n'a jamais su se mettre en valeur, elle n'a jamais pu retenir un garçon. Et Dieu sait qui s'en est présenté à la maison. Mais alors que s'est-il passé? Comme si vous l'ignoriez. Tous ces crétins louchaient sur mes bijoux et sur ma collection de tableaux, au point d'en oublier de débiter des fadaises à Solange. C'est pas ma fille qu'il désirait épouser, mais ma fortune. Oui, mais... voulant être aimée pour elle-même, Solange a découragé les plus obstinés. Il n'y a pas un jour où je ne le regrette. Il vaut mieux un mari intéressé que pas de mari du tout. C'est pas mon avis. Qu'en savez-vous? Je ne suis pas mariée, c'est vrai, mais j'ai eu des aventures. Imaginaire surtout, pauvre Alice. Je ne suis pas à plaindre. Si être la demoiselle de compagnie d'une vieille bique comme moi dans un trou de province où il ne se passe rien vous paraît un sort enviable, tant mieux pour vous. Nous pouvons nous vanter de former un joli trio. Les trois femmes de la maison du Mail. Moi, au seuil de la tombe, dans laquelle j'ai déjà un pied puisque j'ai besoin d'une canne pour me déplacer. Solange qui n'ouvre pas la bouche, et à peine les yeux. Et vous, enfin, fourmi laborieuse, tête de turc consentante. On doit bien rire de nous dans les salons de Châteaudun, ce qui me ravit naturellement. Ce thé n'est pas bon. Pourtant, c'est le mélange habituel. Vous ne pleurnichez pas, je plaisantais. Et passez-moi mes diamants. Vos diamants? Que voulez-vous en faire? Les porter. Mettre devant un miroir et les caresser. Les diamants sont les fossettes du troisième âge. Allons vite. Bien, madame. Voilà le coffret. Et vos mains tremblent. C'est l'excitation? Vous plaisantez encore? Mes mains ne tremblent pas. Les miennes, si. Alors soyez charitable, tremblez un peu. Je me demande s'il ne serait pas raisonnable de déposer ce trésor à la banque. Voilà des mois que je vous le conseille. Oui, et que je m'y oppose pour le seul plaisir de vous contrarier. Que craignez-vous, les voleurs? La maison est isolée. Il y a des verrous partout. J'ai mon vieux revolver.
Et puis, de toute façon, j'ai toujours aimé le danger. Vous me direz que de ce côté-là, je suis pas gâtée. J'admire votre sérénité, votre confiance. En connaissez-vous la véritable raison? Votre force de caractère. Non, je ne parlais que des bijoux. Ils sont faux. Quoi? Mes diamants sont faux. Ceux-ci sont des copies. Les originaux sont en sûreté. Alors depuis des mois, vous me jouiez la comédie. Non, je la joue maintenant. Maintenant? En prétendant que les diamants sont faux. Oh mais... Ah, vous avez l'air complètement désemparé, ma chère Alice. Oh, ça me plaît assez, mais ça me plaît. Tenez, versez-moi donc encore un peu de cette horrible thé. Qui n'est pas si mauvais, d'ailleurs. Vous ne dormirez pas cette nuit. Bon, encore quelques années. Je fermerai les yeux pour ne plus jamais les rouvrir. Alors je peux me permettre d'attendre. Et puis vous me faites de si merveilleuses tisanes. Si apaisantes. Quel est votre secret? Un secret ne se divulgue pas. Magnifique. Vous commencez à avoir le sens de la répartie. L'humour suivra, j'en suis certaine. Nous serons patientes toutes les deux. Mais... Oui? Ces diamants... Et alors? Vrai ou faux? À votre avis? Vrai. Tel que je vous connais, vous ne supporteriez pas de plaquer sur votre peau quelque chose qui ne soit pas authentique. Bien répondu. Ah, attention. Voilà l'héritière. Alors, Solange. Et cette église? Oui, maman. C'était bien? Il y avait du monde? Tu t'es amusée? Amusée? Enfin, je veux dire distraite. Distraite? Enfin, tu as passé un moment agréable. Agréable? Oh, Solange, écoute, s'il te plaît, perds cette habitude de répéter tout ce que je te dis. Puis tâche d'acquérir un peu de légèreté. Je sais que tu adores Racine, mais je t'assure, Fido, c'est pas mal non plus. Tu veux une tasse de thé? Juste un doigt. Toujours prudente. Ma petite Solange, de quoi as-tu envie? Moi? Une nouvelle robe. Un manteau de fourrure, un voyage? Non, quelques livres peut-être. Mais tu ne les auras pas. Alors pourquoi me demander ce que je veux? Moi, j'espérais que pour une fois tu réclamerais quelque chose d'original, de fou. Je ne suis ni folle ni originale. Ah, tout le portrait de feu ton père, hélas. Tu m'en veux beaucoup de ne pas te ressembler, n'est-ce pas? Ah, un peu, un tout petit peu. Oh, si j'étais sûre que tu es heureuse. Mais je le suis. Totalement? Existe-t-il au monde un être totalement heureux? Elle déteste cette manie que tu as de répondre à une question par une autre. Et dire que tu n'as pas accordé une seconde d'attention à mes diamants. Ils sont jolis. Oh, jolis, des diamants. Ils seront bientôt à toi. Ils peuvent l'être dès aujourd'hui si tu le désires. Qu'en ferais-je? Vous l'entendez, mademoiselle Alice? Oui, madame. Elle est exaspérante, non? Qu'en feriez-vous si je vous les offrais? Moi? Je filerais immédiatement à Paris ou à Rio de Janeiro. Brave petite. Malheureusement pour vous, vous n'êtes pas ma fille. Et non. Tout ce que vous pouvez espérer, c'est une petite somme d'argent quand je mourrai. Je ne la refuserai pas. Maman, tu es macabre ce soir. Je t'en prie, change de sujet. Allez, rangez les diamants, mademoiselle Alice. Bien, madame. Et n'en glissez pas un dans l'ourlet de votre jupe, je vous ai à l'œil. Je le sais. Je sais aussi que vous les comptez chaque jour sans en avoir l'air. Vous avez remarqué ça. Et bien d'autres choses encore. Ah, par exemple? Suis-je obligée de répondre? Cessez de vous chamailler toutes les deux. La chamaille, c'est tout ce qui me reste, c'est mon dernier plaisir. Est-ce que le mot existe, la chamaille? Je ne crois pas. Bon, eh ben, il existe à partir d'aujourd'hui. Mademoiselle Alice... N'est-ce pas bientôt votre anniversaire? Dans 4 jours. Ah. Et vous aurez? 27 ans. Seulement? Oui, j'en suis désolée. Ah. Et quel est le cadeau qui vous ferait plaisir? À part les diamants, oui. Naturellement. Vous connaissez la formule, la façon de donner... Vaut mieux que ce que l'on donne. Mais alors, si je comprends bien, un baiser sur la joue très affectueux vous comblerait d'aise. Oh, ça... Maman, Alice, ne recommencez pas, pour l'amour du ciel. Faisons une manie. Bonne idée. Mais c'est un jeu de vieille dame. Ah, sur la réflexion, ça m'étonne pas qu'il vous plaise. Bon, eh bien, jouons. Et après, vous me ferez la lecture, Alice. Bien, madame. Thank you.
n'avait jamais lu de roman. Toutes les nuances de son bonheur étaient neuves pour elle. Aucune triste vérité ne venait la glacer, pas même le spectre de l'avenir. Elle se vit aussi heureuse dans 10 ans qu'elle l'était en ce moment. Jamais je n'accorderai rien à Julien, se dit Madame de Rênal. Articulez, que diable ! Jamais je n'accorderai rien à Julien, se dit Madame de Rênal. Nous vivrons à l'avenir comme nous vivons depuis 1 mois. Ce sera un ami. Chapitre 14. Oh non, si vous lisez trop mal ce soir. On dirait que vous êtes ivre. Alors, vous réagissez pas ? Oh non. Je me sens fatiguée. Dommage, j'avais envie de me quereller un peu. Si vous buviez votre tisane, elle va refroidir. Ben, je la préfère tiède. Où est Solange ? Vous ne vous en doutez pas. Au salon devant la télévision. Ah, naturellement. Je me demande ce qu'elle deviendrait sans cet appareil. Tous ces gens qui débarquent chez vous sans y être invités et qui vous exposent leurs problèmes, c'est d'une vulgarité. Si encore on pouvait leur répondre, les insulter, mais non. Il faut subir. Cela peut être agréable dans certains cas. Ah oui ? Lesquels ? Nous verrons ça demain. Permettez-moi de me retirer. C'est ça, retirez-vous, mademoiselle Alice. N'oubliez pas votre tisane. Je vais aller boire la mienne en compagnie de mademoiselle Solange. Hein ? Si je comprends bien, je n'ai pas l'exclusivité de ce breuvage magique. Mais si, soyez rassurés. Pour votre fille, je compose un autre mélange. Désirez-vous quelque chose avant de dormir ? Ah oui, vous seriez très ennuyée si je vous répondais par l'affirmative. Dépêchez-vous de rejoindre Solange, vous allez rater la dernière édition des actualités télévisées. C'est bien ainsi qu'on dit, n'est-ce pas ? Exactement. Bon. Bonne nuit, Madame Lambert. Bonne nuit. Oh, votre boîte de fondant est sous l'oreiller. C'est plus original que d'avoir un amant caché sous son lit. Pour qui dites-vous ça ? Ah, pour personne, hélas. Pour personne. Et je le regrette. À demain, madame. Adieu. Mon Dieu. Dire que deux femmes jeunes qui ne sont pas monstrueuses passent leur soirée devant la télévision alors qu'il y a tant à faire, y compris des bêtises. Mais je donnerais n'importe quoi pour avoir 30 ans pendant 24 heures. N'importe quoi. Cette tisane est glacée, c'est très mauvais. Je vais tout de même pas rappeler Alice. Je suis sadique, mais pas à ce point-là. Bon, mais tant pis, pas de tisane. Mais le sommeil va se faire désirer. Oh, j'aime pas le sommeil, mais j'aime l'oubli qu'il procure. Oublier mon âge, oublier ma jambe malade. Oublier que j'ai été jeune. Et que j'ai été heureuse. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Je suis pas folle tout de même, j'ai bien entendu quelque chose. Solange n'est pas somnambule, ou alors ce serait nouveau. On dirait qu'il y a quelqu'un au salon. Quelle heure est-il ? Le cadran de mon réveil a beau être lumineux sans mes lunettes, c'est comme si j'étais aveugle. Où sont mes lunettes ? Allez, voilà. Voyons. 2h20 ? Mais... qui peut bien s'agiter au salon à 2h20 du matin ? Solange et Alice auraient-elles organisé une surprise partie sans me le dire ? Ce serait merveilleux. Oui, et beaucoup plus brillant, d'ailleurs. Alors, si c'est pas elle, alors qui ? Je peux évidemment sonner puis le réveiller. Mais si j'y allais moi-même, ils sont allumés. Ce serait un exploit. Je vais essayer. Ma robe de chambre. Mes pantoufles. Et ma carte.
mauvais, messieurs, et du danger. Bon, je vais prendre le revolver. Se passerait-il enfin quelque chose d'intéressant dans cette maison morte? Faut pas que je fasse du bruit avec ma canne. Et le plus dur, ça va être l'escalier. Oh, avec une dizaine de marches. Et si je m'agrippe bien à la rampe, ça va aller. C'est bien moins pénible que je ne l'imaginais. Au fond, je me débrouille très bien toute seule. En tant que Solange ou Alice, on prendrait pour une infirme. Ah, ça, c'est la dernière marche. Voilà. Oh, il y a quelqu'un au salon. Quelqu'un qui veut être discret puisqu'il n'y a pas de lumière sous la porte. C'est un cambrioleur. C'est magnifique. Je vais pousser la porte et actionner le commutateur. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Une vieille dame armée d'un revolver. Ne bougez pas ou je vous abats. Comme un chien. Comment? Non, ne bougez pas ou je vous abats comme un chien, c'est toujours ce qu'on dit dans ces cas-là, non? Je l'ignore. C'est la première fois qu'on me cambriole. Contente de vous cambrioler. Exact. Et vous pensez vraiment me faire peur avec ce pétard rouillé? Tout. Il est fort capable de vous envoyer dans un autre monde, mon garçon. Désirez-vous en faire l'expérience? Les mains en l'air, s'il vous plaît. Mais vous vous croyez dans un film de gangster? Pas dans une comédie de Marivaux, en tout cas. Et pourquoi avoir choisi ma maison plutôt qu'une autre? Parce qu'elle est très belle, très isolée et habitée par des bonnes femmes. J'ai pris mes renseignements, moi. Je travaille sérieusement. Peut-être, mais pas silencieusement. Comment êtes-vous entré? Oh, en tordant un volet et en cassant un carreau. Qu'est-ce que vous allez faire? Je m'interroge. Vous feriez mieux de m'interroger, moi. Chaque chose en son temps. Je vous répète que si vous bougez, je tire. Dois-je téléphoner à la gendarmerie? Vous vous posez la question à vous-même ou bien est-ce à moi? Parce que si c'est à moi, hein, la réponse est non. Êtes-vous du Noir? Quoi? Du Noir, natif de Châteaudun, si vous préférez. Ah, non, pas du tout. Je pensais. Ah, suis-je votre première victime ici? Et tout juste. Et, vous êtes contente? Folle de joie. Baissez pas les bras, je vous prie. Non, mais non, c'est parce que je commence à avoir des crampes. Taisez-vous. Vous allez me faire sangloter. D'où venez-vous? De Paris. Depuis longtemps, dans la cambriole? Mais vous êtes sûr que vous n'êtes pas veuve de flic? Non, pourquoi ça? Parce que vous posez vachement bien les questions. Hein? Alors? Oh, pas depuis très longtemps. Racontez. Bon, c'est pas très passionnant, je vous avertis. Vous savez, on commence par voler un transistor dans un grand magasin, puis un vélo moteur, une bagnole. L'appétit vient en mangeant. Hein? Et vous n'avez jamais travaillé? Si, j'étais vendeur dans le grand magasin où je piquais des transistors. Et même que j'avais une blouse grise. Puis là, j'ai horreur du gris. Alors ça vous explique. Oui, et vous ne pensez pas que tout ça risque de finir très mal? Ah, si. Les jours de cafard. Surtout que... Enfin, j'ai déjà eu quelques petits ennuis. Ah, vous avez fait de la prison? Bien sûr. Oh, je peux baisser les bras? Oui. Ah. Mais asseyez-vous sur ce fauteuil. Là. Et ne bougez plus. Je peux tout de même fumer. Permission accordée. Merci, mon adjudant. Quel âge avez-vous? 28 ans. Vous trouvez que j'ai une belle gueule? Vous êtes assez joli garçon, c'est vrai. Et bien bâti. Mais en général, je plais. Pas très longtemps, mais je plais. Vous voulez qu'on se marie? Vous m'amusez. Oui, on se marie, puis vous mourrez, et j'hérite. Oui. Hein? Est-ce que ma mort est naturelle? Alors, évidemment, je ne suis pas un assassin. Non, par contre, vous, alors, vous avez des dispositions. Hein? Oh, vous voulez me faire lâcher ce revolver?
Mais qui me dit qu'ensuite vous n'allez pas me sauter dessus pour me ligoter et prendre la fuite avec... Avec quoi? Il n'y a rien dans votre baraque. Oh, ça, par exemple. Oh! C'est pas vrai. Et dans un tiroir qui est même pas fermé à clé, est-ce que j'ai pu être... Non, ne le dites pas, allons. Vous l'auriez d'ailleurs été davantage en dérobant cette verroterie. Sur les faux? Bon, naturellement. Mais les vrais existent. Ils sont dissimulés dans cette maison. Ah. Et moi seul connais la cachette. Bah, dites donc, si vous mourrez brusquement, hein, comment ils vont faire vos héritiers? Bon, écoutez, vous ne me parlez que de ma mort. Vous n'êtes vraiment pas galant. Mais j'ai jamais eu le temps d'apprendre. Hein. Non, mais alors, les diamants, les vrais? Rassurez-vous, j'indique la cachette dans mon testament. Ah bon? Ah bon. C'est tout de même drôlement bien imité. Hein. Bah, vous pensez bien que si ces diamants étaient vrais, je les laisserais pas traîner dans un tiroir. Je suis peut-être extravagante, mais pas à ce point. Ouvrez le secrétaire. Hein? Prenez une plume et une feuille de papier, asseyez-vous. Hein? Vous voulez que j'écrive? Non, vous êtes très intelligent. Mais... C'est pas tellement mon avis, hein, surtout cette nuit. Bon, qu'est-ce qu'il faut que j'écrive? Une confession. Ah. Et si je refuse? Je vous abats. Ou je vous livre aux gendarmes, vous choisissez. Bon, oui, je crois que je suis coincé, quoi. Vous avez des papiers sur vous? Oui, ils sont vrais, eux. Donnez. Voilà. Eh bien, c'est la dernière fois que je cambriole une provinciale. Eh ben, je prends ça pour un compliment. Voyons, Vigneault, Joël. Vous vous appelez Joël? Oui, vous êtes contre? Écrivez. Sans faute, ça va être dur. Je sous-signais. Deux S, hein. Deux S. Vigneault Joël. Joël, voilà. Né le 4 mars 1944 à Paris. Avoue avoir tenté, avoue, du verbe avouer, avoir tenté de cambrioler Madame Lambert. Avec un T? Oui. Promenade du Mail. À Châteaudun. Une vinoise, Châteaudun. Dans la nuit du 23 novembre 1972. Madame Lambert accepte de ne pas prévenir les autorités. Hé, vous savez même pas écrire vite, là. Ça y est? Non, jamais pas. Madame Lambert accepte de ne pas prévenir les autorités. Oui. À condition que j'accomplisse pour elle certains travaux. Que j'accomplisse pour elle certains travaux. Travaux. Quels travaux? D'abord, détendre un volet et remplacer un carreau. Ah. Le reste, vous l'apprendrez plus tard. Voilà, maintenant signé. Bon. Voilà, et donnez-moi cette feuille. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je garde cette belle page d'écriture, ainsi que vos papiers d'identité. Et vous en allez. Vraiment? Je vous attends demain matin vers 11h, avec une valise. Je vous ferai passer auprès de ma fille et mademoiselle de compagnie pour le fils d'un vieil ami. Un jeune homme qui a besoin de se reposer à la campagne. Ça tient pas debout tout ça. Vous préférez que je téléphone à la gendarmerie? Non, bon, d'accord. Bon, vous êtes la plus forte. Mais alors, si on me pose des questions, je sais pas mentir, moi. Menteur. Si on vous pose des questions, eh ben vous serez évasif ou mystérieux. Bon, et combien de temps ça va durer, cette petite comédie? Deux jours. Deux semaines. Ou deux mois. Mais pourquoi pas deux ans? Ben pourquoi pas, en effet. Donc vous plaisantez, là. Souvent. Vous y ferez, vous verrez. Non, mais je comprends pas pourquoi vous voulez m'installer chez vous. Hein? Je ne vous demande pas de comprendre, je vous demande d'obéir. Un dernier détail. Demain, vous m'apporterez une lettre. Une lettre? Une simple feuille blanche dans une enveloppe cachetée fera l'affaire. Donnez celle-ci, par exemple. Mettez-la dans votre poche. Et maintenant, sortez comme vous êtes entré, par la fenêtre.
À demain, Joël. Mais... Sortez ou je tire. Peut-être aurais-je mieux fait de tirer. Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle Alice. Voici votre plateau. Vous ne m'en voudrez pas, les toasts sont un peu brûlés ce matin. Non, aucune importance. Vraiment? C'est bien la première fois que vous n'en profitez pas pour crier. On évolue. Il y a plus grave. Oh, je vous écoute. Quelqu'un s'est introduit cette nuit dans la maison. Pas possible. L'une des vitres du salon a été cassée. L'un des volets forcé. Des voleurs? Votre coffre Louis XIII a été fracturé. Immédiatement. À leur place. C'est bien ce qui m'étonne. Pas moi. Ce qui signifie? Que nos visiteurs sont des connaisseurs. Ils ont tout de suite vu que les pierres étaient fausses. Fausses? Mais vous me disiez hier encore que c'est... Ma petite Alice, mais si vous croyez tout ce que je vous dis, vous perdrez la raison. Avez-vous parlé de cet incident à Solange? Non, elle n'est pas encore levée. Bon, alors n'en faites rien. C'est inutile de l'inquiéter. Mais si elle remarque le carreau, le volet... Vous connaissez sa distraction. Tout de même. Oui, vous direz que... c'est vous l'auteur des dégâts. Voilà. Bon. Vous avez fait le ménage d'une façon un peu fantaisiste. Elle n'ira pas chercher plus loin. Allez. Mais vous n'avez rien entendu cette nuit? Oh, impossible. J'avais pris un comprimé de Dormonil. Je dors très mal depuis quelque temps. Mais vous-même... Ah oui, ça, j'ai le sommeil léger, c'est vrai, mais je deviens un peu dur d'oreille, alors. Bon. Dois-je téléphoner à la gendarmerie ou préférez-vous le faire vous-même? Quelle idée? Vous n'avez pas l'intention de... Mais absolument pas! Mais enfin, cette visite est bien la preuve que... Quoi? Que nous sommes en danger. Avez-vous peur? Un peu, oui. Ben, dominez vos nerfs, mon petit. Le pire est passé. Moi, aujourd'hui, je mettrai ma robe mauve. La mauve? Mais nous ne sommes pas dimanche. Et si je veux, moi, que nous soyons dimanche? Ça? Je me demande qui cela peut être. 1, 2, 3, 4, 5. Un jeune homme brun. C'est pas le facteur, il est déjà passé. Eh bien, qu'attendez-vous pour aller ouvrir, mademoiselle Alice? Oui, madame. 1, 2, 3, 4, 5. Une nouvelle. Une bonne nouvelle. 1, 2, 3, 4, 5. Souci d'argent. Curieux, maman, cette manie que tu as de tirer les cartes chaque matin. On se distrait comme on peut. Toi, tu as ta télévision. C'est un monsieur qui demande à parler à madame. Monsieur Vignot. Vignot? C'est pas possible. Il est encore vivant. Ah, c'est ce qu'il m'a semblé. Oh, ne me dites pas qu'il marche sans canne, lui. Mais il est jeune, madame. Jeune? Alors, c'est pas le père, c'est le fils. Ça, je vais pas le reconnaître. La dernière fois que je l'ai vu, il avait des culottes courtes et un cerceau. Faites entrer, voyons. Oui, j'y vais. Qui est-ce? Je parle du père. Robert Vignot? Ah, il m'a fait la cour quand j'avais 25 ans. C'était juste avant d'épouser ton père. Je l'ai connu à Cabourg, il nageait comme un dieu. Tu ne m'en as jamais parlé? Mais si, comme d'habitude, tu n'écoutais pas. Bonjour, madame. Bonjour. Ah, vous avez les mêmes yeux que votre père, c'est étonnant. N'est-ce pas? Et quel est votre prénom? Joël. Eh bien, Joël, comment se porte ce cher Robert? Très bien, très bien. Ah, je suppose qu'il vous a remis une lettre pour moi. Il a toujours adoré écrire. Quand nous étions jeunes et beaux, il m'écrivait chaque jour. Et voici sa dernière lettre. Merci, Joël. Je vous présente ma fille Solange. Bonjour. Bonjour. Et mademoiselle de compagnie, mademoiselle Fournier. Mademoiselle. Mm-hmm.
Alice, allez donc nous chercher quelques rafraîchissements. Bien, madame. Ma chère amie, vous souvenez-vous encore de moi? Voilà. Mes mains dans les vôtres, c'est charmant et ça me rajeunit. Ah, Solange, Joël est un peu fatigué, son père a décidé de nous le confier pour que nous l'en mettions sur pied. Eh bien, nous l'installerons dans la chambre bleue. Quel est votre métier, monsieur Vigneault? Je vole. Oui, un aviateur. C'est magnifique. Où sont les filles? Les filles? Ah oui, Solange et mademoiselle Schtroumpf-Machin. Oh, ne sont-elles pas un peu mûres pour que vous les appeliez les filles? Vous avez la dent dure, là. Oui, l'oreille aussi, paraît-il. Eh bien, Solange est à l'église et j'ai envoyé mademoiselle Alice à la pharmacie. Elle en a bien pour une demi-heure. Hein? J'avoue que j'ai prémédité la chose pour être un peu seule avec vous. Tiens. Seule avec vous pour la première fois depuis 48 heures. Alors? Alors, quoi? Ben comment la trouvez-vous? Solange? Sympa, un peu gelée, je préfère l'autre. Ça j'en étais sûr, mais il ne faut pas. Ah bon? Alice est pauvre, elle n'a pas un sou. Tandis que Solange... C'est mon unique héritière. Évidemment, évidemment, ça fait réfléchir. Je suis certaine qu'elle vous paraît déjà beaucoup plus séduisante. Hein. Eh, en effet, hein. Elle a de beaux yeux. Et de grandes qualités de cœur, c'est important. Oui, en somme, vous m'avez engagé pour faire la cour à votre fille. Voilà, vous êtes sur le chemin de la vérité. Et s'intéresse-t-elle à vous? Oh, pour plus que ça, bonjour, bonsoir. Passez-moi le sucre, merci beaucoup. Enfin, mais l'autre, elle serait plus curieuse. Alice? Sans en avoir l'air, elle me pose des tas de questions. Je crois qu'elle soupçonne quelque chose. Ce que pense mademoiselle de compagnie m'est totalement indifférent. Allez, revenons-en à Solange. Mais vous me lâchez dans les bras. Et en quelque sorte, oui. Alors... Ne me dites pas que vous êtes choqué. Choqué, non, non, mais vachement surpris, hein, parce que j'ai rien du genre idéal. Mais détrompez-vous, vous êtes beau. Oh, oui. Solide, musclé, vous lui ferez de beaux enfants, j'en demande pas davantage. Mais je suis tout de même un voleur. Vous l'avez été, c'est du passé, ça. Ben, un passé qui date de 48 heures. Oh, on a vu des hommes changer radicalement en moins de temps que ça. Non, mais ça va pas chez vous, la tête, hein. Ce qui veut dire en bon français... Bah que vous êtes complètement siphonné. Vous voulez que j'épouse votre fille? Non, c'est bien ça? Mais si elle est d'accord, il est certain que je ne m'y opposerai pas. Enfin... Mais enfin quoi? Bon, enfin... Vous aurez une existence agréable, beaucoup d'argent, une belle-mère exceptionnelle. Ah, plutôt, oui, ça. Et vous préféreriez à tout ça votre petite vie minable, vos cambriolages ratés? Et ma liberté. Ouais, et... Entre quatre murs d'une cellule, allons, allons. Il y a un choix à faire, naturellement. Mais vous avez le temps de vous décider. Et de décider Solange? Solange m'obéira et assez facilement, je pense. Mais tout de même pas très difficile. À quel sujet? À mon sujet. Mon cher Joël, je préfère avoir un gendre que je connais de A jusqu'à Z et sur lequel je ne me fais aucune illusion. Plutôt que de tomber sur un paltoquet de bonne apparence, mais qui se révélera à l'usage comme un être hypocrite, ennuyeux et mesquin. Et puis je me l'aventure. Mais attention. Ah, déjà des menaces. Ne tournez pas autour d'Alice. D'ailleurs, s'il le faut, je me préfère de ses services. Bon, c'est inutile, je la trouve un peu mieux que Solange, mais beaucoup moins bien que vos diamants. Voilà, vous voilà raisonnable. Alors, je pensais tout de même pas, hein, en venant fouiller vos tiroirs, que j'y découvrirais un contrat de mariage. Ouais, c'est ça, la vie. Toujours de l'inattendu. Non, mais dites-moi... Et si j'étais un assassin? Oh, si vous vous y prenez aussi mal pour tuer les gens que pour les voler, je me fais pas beaucoup de soucis, alors. Cela dit, sans vous vexer. Ah, vous êtes quand même une drôle de bonne femme. Oui. À mon âge, c'est le seul compliment que je suis en droit d'espérer. Joël. Quoi?
possible, Alice. J'attends Solange. Non, mais allez monter se changer. Cela nous donne quelques minutes. Et la vieille? Elle est dans sa chambre. Allez, viens à la cuisine. D'ailleurs, à la cuisine. Enfin. Mais qu'est-ce que t'as à dire? Mais ma parole, tu veux tout compromettre. Bah, tout, quoi? C'est ce que j'aimerais savoir. C'est ma faute, moi, si je suis dans ce guépier. Ah bon? Parce que c'est la mienne. Quand je t'ai retrouvée par hasard après toutes ces années, je n'ai pas immédiatement compris pourquoi tu t'intéressais tant à ma vie. Et à celle de ma patronne. À sa vie et surtout à son train de vie. Ah ben, si j'avais réussi mon cambriolage, j'en serais pas là. Ah ben, j'avais oublié de te préciser, excuse-moi, que Madame Lambert avait le sommeil léger. Et que sa chambre était située juste au-dessus du salon. Et en somme, t'as tout fait pour que je rate mon coup, oui. Pas du tout, puisque j'ignorais totalement ce que tu préméditais. Mais j'avoue que j'ai été contente d'apprendre ton échec. Ma joie s'est d'ailleurs vite transformée en inquiétude quand tu es arrivée ici quelques heures plus tard. Et en tout cas, tu peux être sûre que si la vieille m'avait balancé aux gendarmes, je t'aurais dénoncé comme complice. Ah ben merci. Moi non, voyons. Moi non, je te fais marcher. Tu me prends vraiment pour une ordure. Hein. Mais tu sais, j'ai des souvenirs. Tous mauvais? Laisse-moi, Joël. Lâche-moi! Tu veux pas m'embrasser? Mais lâche-moi, je te dis! Pourquoi Madame Lambert t'a-t-elle demandé de jouer cette comédie? Interroge-la. Ne me mets pas au défi. Très bien. Cette vieille cinglée s'ennuie. Elle avait envie d'avoir un beau garçon sous son toit, juste pour le plaisir des yeux. Tu peux comprendre ça, non? Et Solange? Solange, bah, je suis poli avec elle. Et c'est par politesse que tu l'as invitée ce soir à aller au cinéma? Mais naturellement, qu'est-ce que tu vas imaginer? Oh, trop de choses. Non, Alice, cette famille est peut-être pour moi la grande chance de ma vie. Une vie qui jusqu'ici n'a pas été spécialement marrante. Voilà. Et tu veux pas m'aider? Joël? Je suis prêt. Joël? Oui, voilà. Voilà, j'arrive. Alice, je t'en prie, ne me trahis pas. Embrasse-moi. Non. Si, viens. Salut. Père Joël. Oh! Nous partons. Solange, quel joli manteau! Vous êtes d'une élégance! Oh, c'est moi qui vais avoir l'air d'un provincial. Lettre anonyme. Madame, toutes vos petites menées sont connues, mais les personnes qui ont intérêt à les réprimer sont averties. Par un reste d'amitié pour vous, je vous engage à vous détacher totalement du petit paysan. Si vous êtes assez sage pour cela, votre mari croira que la vie qu'il a reçue le trompe et on lui laissera son erreur. Songez que j'ai votre secret, tremblée et malheureuse. Il faut à cette heure marcher droit devant moi. Vous ne m'écoutez pas, Madame. Comment? Je dis que vous ne m'écoutez pas. Oh, bah comment pouvez-vous en être sûre? Je le vois à vos yeux. Vous pensez à quelque chose de précis, vous êtes loin des héros de Stendhal. Je vous ferai remarquer que je connais le rouge et le noir presque par cœur. Et que surtout, je ne vous accorde pas le droit de me faire ce genre de réflexion. Je vous paie pour lire, mais je suis libre de vous écouter ou non. Je déteste lire dans le vide. C'est pourtant pas la première fois. Mais d'habitude, vous êtes moins susceptible. D'ailleurs, ce n'est pas le récit des amours de Julien Sorel que j'écoute, mais votre voix, car vous avez une très jolie voix. Faut-il vous remercier? C'est pas obligatoire. Vous me semblez bien nerveuse ce soir. Disons préoccupée. Ah, c'est ce garçon? Ce garçon est Mademoiselle Solange. Ah, expliquez-vous. Eh bien, j'attends. Vous pensez que j'ai eu tort d'autoriser Joël à emmener Solange au cinéma? Enfin, ma fille n'est plus une gamine, voyons. Mais ce n'est pas une raison pour la pousser à sortir avec n'importe qui. N'importe qui, le fils de mon vieil ami Robert. Mais un vieil ami dont je n'ai jamais entendu parler. Et Dieu sait pourtant si vous aimez vous raconter. Je pourrais réciter la liste, et dans l'ordre chronologique, de tous vos flirts de jeune fille. Mais dans tout ça, pas de Robert Vigneault. Ma petite Alice, je suis une vieille femme à la mémoire vacillante. Robert m'était sorti de l'esprit. Bah, d'après vous, il vous écrivait chaque jour à une certaine époque. Ouais, il y a presque 50 ans de cela, et il n'était pas le seul. Bon. Je veux bien admettre que vous l'ayez oublié. Mais je trouve plus surprenant que vous vous emballiez sur son fils,
dont vous ignorez tout. Et qui est peut-être... Pas le mien, en tout cas. Et qui est peut-être... Mais quoi? Mais dites-le donc, à la fin. Je ne sais pas, un voyou. Un gigolo, ou pire. Si vous critiquez mon enthousiasme, moi je critique votre méfiance. Alors, mais pourquoi cette mise en garde? Des petits détails. Par exemple, ce garçon se prétend aviateur. Je lui ai posé 2 ou 3 questions, et il est clair qu'il n'a jamais mis les pieds dans un avion. Bah, c'est sûrement un rampant. Il s'occupe des signaux, des choses qui tournent. Mais avouez plutôt que vous avez envie d'un gendre à tout prix, que ce soit un ivrogne ou un voleur. Un voleur? Mais enfin, vous... on sait que vous avez des bijoux. Des tableaux. Ah oui, et depuis des années, c'est pas nouveau. Mademoiselle Lally, je trouve très touchant cette façon que vous avez de prendre mes affaires à cœur. Mais il faudrait pas que votre sollicitude devienne de l'indiscrétion. Alors un petit conseil. Allez donc prendre un tranquillisant et couchez-vous. Hein? Nous apprendrons un autre soir ce qu'il adviendra de Madame de Rênal et de Julien Sorel. Que font-ils? Joël apprend à ma mère à jouer à la belote. Notre tour viendra très vite. Il est très prévenant avec elle. Oui. Maman a rajeuni depuis qu'il est là. Elle est plus vive, plus coquette. Et vous? Moi? Oui. Vous trouvez-vous différente? Je ne le pense pas. Appréciez-vous la présence de ce garçon? Il n'est pas désagréable. C'est tout. Je n'en suis pas amoureuse, si c'est cela que vous voulez savoir. Oh, vous allez décevoir votre mère. Elle fait des projets, et pas seulement pour elle. J'avais compris. Je ne suis pas très intelligente, Alice. Mais je remarque tout de même certaines choses. Je ne voulais pas vous vexer, Solange. J'ai de l'affection pour vous. Vous vous êtes toujours ingéniée à me faire oublier ce que le caractère de votre mère peut avoir de blessant, de méchant même. Vous m'avez toujours défendue, et très discrètement. Je vous en suis très reconnaissante. Mon Dieu, j'ai oublié d'arroser les plantes. Solange, vous n'aimez pas être remerciée, n'est-ce pas? Pas beaucoup. Si votre mère vous poussait à épouser Joël Vigneault, que feriez-vous? J'hésiterais. Vous admettez donc que Joël ait envie de vous épouser? Mais il en meurt d'envie. Et vous le savez aussi bien que moi. Mettez-vous à sa place. La fortune de ma mère a toutes les séductions. Ce qu'il ignore encore, c'est que si je deviens Madame Vigneault, Joël devra attendre la mort de maman pour pouvoir jouer les nababs. Avez-vous l'intention de le lui dire? Seulement si j'ai l'intention de renoncer au célibat. Mais ne risque-t-il pas, lui, à ce moment-là, de renoncer au mariage? Peut-être. Mais je n'en ferai pas une maladie. Du moins, je l'espère. Mais vous n'en êtes pas certaine. Joël est très plaisant. Il est aussi arrivé dans ma vie au bon moment, ou au mauvais. C'est-à-dire? Que la solitude commence à me peser. Parfois, je regrette d'avoir repoussé certaines avances. Mais vous, qui êtes mon amie Alice, que me conseillez-vous? De prendre des renseignements. Sur Joël? Pourquoi? Vous ne le connaissez pas. Mais ma mère connaît son père. Mais elle le prétend. C'est différent. La croyez-vous capable de mentir? Oui, bien sûr. Elle est capable de n'importe quoi quand elle désire quelque chose. Mais que pourrais-je redouter de Joël? Il est comme les autres, il aime l'argent et s'incrime. Je ne suis pas jolie, je suis plus âgée que lui. Il a droit à quelques compensations. Mais vous ne pourrez pas être heureuse avec lui. Tant que ma mère vivra, si. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour que je puisse avoir 1 ou 2 enfants. Entrez. Solange, votre mère demande si vous avez fini de comploter avec Alice. Nous ne complotions pas, nous parlions de vous. Ouh là là. Quoi? Ouh, quand des femmes se réunissent pour parler des hommes, c'est toujours pour en dire du mal. Thank you.
Bonsoir, Alice. J'ai bien trouvé ton petit mot épinglé à mon oreiller. Rendez-vous à minuit au salon, c'est important. Toujours le goût du mystère. Hein. Alors, qu'est-ce qui est si important? Le bonheur de Solange. La tranquillité de Madame Lambert. Tu t'exprimes comme une bonne sœur? Pourquoi tu baisses pas la voix? Tu tiens tant ça à ce que la mère Lambert nous entende? Elle ne le peut pas. J'ai versé un somnifère dans sa tisane. Oh, chapeau! Quant à Solange, elle a heureusement le sommeil lourd. Celui des consciences pures. Exactement. Joël, tu dois quitter cette maison. Pour aller acheter au plus vite une bague de fiançailles chez le bijoutier, c'est ça que tu veux dire? Oh, je t'en prie, tu me comprends très bien. J'en ai peur, hélas. Et pourquoi, s'il te plaît, devrais-je renoncer au charme de Solange et à ceux plus éloquents des millions de sa mère? Parce que tu es une crapule. Bon, rectification, j'étais une crapule. Je me suis amendé. Tu ne me fais pas rire. Toi non plus. Et pourtant, dans le temps, t'étais assez marrant. Ne me touche pas! D'accord, d'accord, Sainte Alice, d'accord. Mais je te préviens gentiment que si tu continues à me créer des ennuis, je demande à la vieille dame de te balancer. Et crois-moi, ça traînera pas. Je parlerai avant. Et pour dire quoi, pauvre idiote? Que je suis un voleur? J'ai déjà fait de la tôle? La mère Lambert est parfaitement au courant. Tiens, tu lui préciseras alors que nous avons été très intimes, toi et moi, à Paris, il y a 6 ans. C'est ça? Hein? Eh ben, ce serait une raison supplémentaire pour qu'elle te fiche à la porte. Désolé, mais je lui plais comme je suis, et pour Solange, c'est pareil, alors. Si elle a refusé d'épouser toute une série de minus et petits bourgeois pendant des années, c'est qu'inconsciemment, ou non, elle avait envie d'autre chose. Et cette autre chose, c'est moi. La mère et la fille ont les mêmes goûts. C'est pas attendrissant, ça? Et comment imagines-tu ta vie ici? Oh, ici ou ailleurs. La femme doit suivre son mari, non? On vendra cette baraque, on ira s'installer dans le midi. Tiens, tiens. Et ensuite? Ben ensuite quoi? Tout ce que permet l'argent, les bagnoles, les grands restaurants, les boîtes, les costumes sur mesure. Oui. Je me dépêcherai de faire un gosse à Solange pour avoir la paix. Qu'est-ce qui t'amuse? Ta naïveté. Eh ben explique. Mon pauvre Joël, tu es en train de te faire piéger. Ah? Oui. Solange veut un mari, Madame Lambert veut des petits-enfants, c'est une affaire entendue. Mais personne ne songe à te donner un sou. Tu seras obligé de vivre à Châteaudun, dans cette vieille maison. Et tu auras tout juste de quoi acheter tes cigarettes. Ça va pas, non? Solange n'a rien. Et sa mère n'est pas spécialement généreuse. Tu devras attendre la mort de Madame Lambert pour pouvoir disposer de sa fortune. Solange elle-même me l'a confirmé. Comme c'est une fille honnête, elle a d'ailleurs l'intention de te mettre au courant de la situation. Puis des blocs. Mais non. Et tu le sens très bien. Tu peux questionner Solange, si je ne t'ai pas convaincue. Madame Lambert est plus forte que toi. Oh, ça dépend. Quand on sait où on met les pieds... Hein? Que veux-tu faire? Mais travailler avec toi, la main dans la main. Travailler? Oui, j'admets que dans le passé, j'ai pas été très chic avec toi, mais je veux réparer. Hein? Tu peux me donner une seconde chance, non? Ah, tu veux que nous partions ensemble? Oh, abandonner tout ce fric, non, ça va pas, t'es folle. Je veux que nous en profitions ensemble. T'en as pas marre de servir de boniche à cette vieille taupe, de te faire exploiter? T'as pas envie d'autre chose? Parle toujours. Bon, tu m'as donné une idée en m'avouant que tu avais drogué la tisane. Quelle idée? J'épouse Solange. Et tu m'aides à me débarrasser de sa mère. Hein? Rien de plus facile. La maison est isolée et la mère et la fille ne reçoivent jamais de visite. Donc nous étranglons Madame Lambert et personne n'y trouve à redire. Il faut agir plus subtilement. Toutes les nuits, tu lui fais avaler un somnifère, puis on l'expose au froid de l'hiver devant la fenêtre ouverte, là. On peut aussi la pousser dans l'escalier. J'ai des tas d'idées très amusantes. Tu es vraiment ignoble. Non. La vieille taupe meurt, et nous, eh bien, on partage le magot. Tu me fais horreur. Où veux-tu aller? Jusqu'au téléphone. Pour appeler qui? La police. Reste là. Tu bluffes, non? Je vais tout leur raconter. On ne te croira pas. Mais laisse-moi passer. On ne te croira pas, chérie. Mais avec tes antécédents, ça m'étonnerait. Alice, je te conseille de rester tranquille. Mais Alice, arrête-toi. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu ne vois pas? Un revolver. Le mien. Pourquoi es-tu descendu avec une arme? Je me méfiais et j'avais pas tort. Et tu as l'intention de me tirer dessus? Si tu décroches cet appareil, oui. Tu n'oseras jamais, car tu perdrais tout. Et si tu me dénonces, où est la différence? Laisse-moi passer! Allez, je te jure que je ne te laisserai pas faire ça. Ne touche pas à cet appareil. Alice, prends garde! Alice!
Madame, c'est vous qui avez tiré. Oui, oui. Vous étiez là? Caché derrière ce grand fauteuil et armé de mon vieux revolver. Est-il mort? Oui. Oui, je crois. Eh ben, je pense que c'est préférable. Mais... Et votre tisane? Ben, figurez-vous que je lui ai trouvé un goût bizarre. Alors je ne l'ai pas bu. Et flairant un mystère, je suis descendue, heureusement pour moi. Et aussi pour vous. Mais pour être tout à fait franche, il y a déjà un certain temps que je me doutais de quelque chose. Vous faisiez une drôle de tête, le jour où Joël est arrivé. Vous avez donc été sa maîtresse? Oui. Oui, à Paris, en 1967. Et je l'ai retrouvée par hasard, il y a 15 jours, avenue Gambetta. Il prétendait travailler pour une agence immobilière, et je l'ai cru. Il m'a questionnée sur la maison, sur votre fortune, et moi, comme une imbécile, j'ai répondu à tout, sans deviner ce qu'il manigançait. Je suis bien coupable. Mais non, moins que moi, Alice. Car c'est moi qui ai eu cette idée incroyable. Marie est ma fille, un cambrioleur. Aujourd'hui, je m'explique encore mal comment j'ai pu concevoir ce projet insensé. Mais j'étais obsédée par le fait que Solange était en train de gâcher sa vie et qu'elle n'avait plus aucune chance de trouver un garçon convenable à Châteaudun. Et puis j'ai été sensible aussi au romanesque de la situation. Et il faut l'avouer, au charme de mon voleur. J'en avais assez de la monotonie de notre existence. Je voulais qu'il se passe quelque chose. Je voulais commander aux événements, quelle prétention de ma part. Que va-t-il se passer maintenant? Mais rien, ma petite Alice. Nous allons replonger la tête la première dans la grisaille. Et peut-être qu'après tout, ça n'est pas plus mal. Je vais téléphoner à la police pour annoncer que je viens d'abattre un cambrioleur qui me menaçait de son revolver. Légitime défense, je suis certaine qu'on me félicitera. Tenez, soyez gentille. Vous allez briser le carreau que Joël a si mal remplacé. Oui, oui. Et repousser le volet. Moi, je me charge des diamants. Je vais en glisser quelques-uns dans sa poche. Ah, ils sont vrais, vous savez. Et ce pauvre garçon ne s'en est jamais douté. C'est bien la preuve qu'il n'était pas très intelligent. Mais Madame Lambert, des gens ont vu Joël avec Solange au cinéma, dans la rue. Et alors, qu'est-ce que ça change? Je prétendrais avoir été cambriolé par un jeune homme qui faisait la cour à ma fille, voilà tout. Alors, faut oublier Joël, Alice. Oui. Je crois que cela sera facile, madame. Mais Solange... Nous l'aiderons. Allô, la police? Ici, madame Lambert. Promenade du Mail. Oui. Je viens d'être cambriolée. Venez tout de suite. Dans la série de Germaine Beaumont, L'heure du mystère, France Inter vous a présenté ce soir Exécution à retardement. Une histoire racontée par Jean-Pierre Ferrier. Voici quelle en était la distribution. Madame Lambert, Annie Ducot de la Comédie Française. Alice, Catherine Hubeau. Solange, Nelly Borjo. Et Joël, Pierre Trabeau. Bruitage, Jean-Jacques Noël. Chef opérateur du son, Sam Niesvisky. Collaboration technique, Chantal Gâteau. Assistante, Florence Boissière. Réalisation, Georges Godbert.